Salut à tous, salut à toutes, c'est DR36 pour la suite du Let's Play sur Distant World, les gars, non. Sins of a Solar Empire Rebellion. C'est vrai que c'est des 4X spatiaux auxquels je joue maintenant, actuellement. Alors j'ai tendance à confondre, même si c'est nettement plus nerveux, je trouve le Sins of Solar Empire. Et j'aime pas mal, ça faisait longtemps que j'y avais pas joué. Et puis, bah, on va essayer de faire quelque chose. Là, la partie est déjà engagée. C'est du 2 contre 2. Et puis, oui, j'avais un peu merdé en posant le dernier épisode. Enfin, je croyais l'avoir posé. Puis en fait, la partie m'a un peu avancé. C'est pour ça que j'ai de la caillasse. Mais du coup, j'ai rien fait pendant un moment. Donc, la petite avance qui me semblait avoir gagné, enfin, que je semblais avoir gagné, a un peu fondu. Donc, on va essayer d'aller coloniser ce monde là-bas. La dernière fois qu'il a été exploré, on avait. Ouais. 5-7 vaisseaux pirates. Crossov, Garda, Cobalt. Ça va. J'ai ma flotte qui est nettement plus garnie ici, qui est en train de combattre d'ailleurs, je pense, des scouts. Ouais, des Arkova de la corporation Tondam. Comme elle s'appelle, c'est les adversaires en face, les violets, là. Voilà. Alors, bah écoutez, là le jeu est en pause, on va en profiter vu qu'on a de l'argent pour voir ce qu'on peut construire. Alors j'ai plus de capacité pour construire des vaisseaux capitaux, donc on va en profiter pour augmenter les logistiques de flotte. Voilà, on va développer ça, le Basic Officer Training, et ça permet d'avoir d'augmenter le nombre de vaisseaux capitaux qu'on peut contrôler. Les vaisseaux capitaux, vraiment, ça passe mal. Bon, alors... En attendant que ça se construise, on va leur dire de faire un peu de Shrinken. La flag Garda. Et puis oui, je pouvais faire des porte-avions, comment ça s'appelle? Ouais, des porte-avions, des percherons. Bref. Est-ce que j'en avais déjà construit? Qu'est-ce que j'ai ici? Ouais, là, j'ai juste un petit porte-avions. On va lui dire de construire des chasseurs. Et puis pour le reste, qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais renforcer cette planète-là, qui va être un peu le fer de lance de l'attaque. Je vais peut-être laisser cette planète-là, voir si les autres la colonisent. Et puis renforcer ici. Donc là, on va construire de la capacité logistique au maximum. J'ai plus de fric déjà. Ça va vite. Je vends un petit peu de métal. Ah, je crois qu'il faut que je dépose le jeu pour que je puisse profiter du marché noir. Alors, là, on est en vitesse 1, voilà. Là, je peux convertir mon métal en argent. On va mettre un petit peu plus d'infrastructures civiles pour augmenter la population et gagner plus d'argent et des points de défense. Donc, comment je défends, là? J'ai fait quoi? Absolument rien. J'ai juste ma flotte qui est là. On va les déplacer dans cette partie du système. Et puis, on va mettre des bases de défense de chasseurs. Des deux côtés. Et puis, construire des tourelles. Toujours sympa. Ça occupe un peu au cas où j'ai pas de flotte disponible. Et puis, bah, pour le reste, voilà. Ah oui, je peux construire encore des extracteurs de métaux au niveau de l'économie. Qu'est-ce que ça me dit? Je perds du fric sur Zikina. Là, c'est Zikina. Bah oui, il faut que je développe des infrastructures avant tout. Dès que la flotte se sera bougée par là, je pense que je lui ferai faire un saut sur ce système-là. Enfin, le système dont la planète Mjolnir. J'ai pas l'exploration arctique pour la coloniser. D'ailleurs, je sais pas si j'y arriverai. Exploration arctique. Exploitation, pardon, arctique. Ouais, il manque du fric. Je peux vendre un peu. Ça suffit. On sait jamais. Comme ça, ça sera déjà développé. Ok. La flotte, je peux la sélectionner aussi. Ouais, ici, là. Reporting in. Ah, je peux aussi upgrader mon capital ship. Alors, planet ça, c'est quoi? Targeting uplink. Donc ça permet d'améliorer les capacités de visée de ceux qui accompagnent. Ok, voilà des vaisseaux qui sont aux alentours. Bon, on va développer ça. Les alliés sont attaqués, je sais pas où.
Peut-être par là. Bon, ils sont déjà en train de déplacer des vaisseaux dans le coin. Structure complete. Alors, ici, là. What do you want? Ouais. J'ai quatre porte-avions, des flak Garda, des Shrinken. On va tout envoyer à la flotte. Est-ce que je peux développer des trucs par là? Ouais, faudra que je fasse des ports Planet commerciaux. development finished. Des astroports, comment ils les appellent ici? Ouais, des ports commerciaux, de commerce. Tiens, il y a les alliés qui ont sauté là. Ouh, il y a deux capital ships ennemis ici. Ok, et puis là. Structure Ah, ils ont complete. installé une batterie de missiles, les coquinous. Alors, les autres se déplacent gentiment. Je vais faire le tour de mes planètes pour vérifier si je peux pas construire plus d'extracteurs comme ici. Hein, on va essayer de développer un petit peu nos bases arrière. Research complete. Ce serait logique. Et puis au niveau de la Planet recherche, ça fait un development moment que j'ai pas finished. regardé. Au niveau militaire, on va améliorer les lasers. Ça améliore pas mal de petits vaisseaux. On va développer aussi. Structure complete. Ah, il me faut quoi? Il me faut de l'argent pour avoir les Javelis. Ça balance des missiles. C'est pas mal comme petite frégate. Il faut un peu de tout. Voilà, il y a les vaisseaux qui sont encore en transit. Je vais les attendre. Oups. Ah, mais ils n'arrêtent pas de se balader, ma flotte. Got a job for me? Comment est-ce que je. Squad leader here. Oui, enfin, je Structure réfléchis. complete. Voilà, c'est l'attitude de la flotte. Bon, on leur dit de Allied rester forces are being serrés, attacked. d'accord, mais je peux pas leur dire de pas bouger. Si je leur dis stop, bouger, attaquer. Bon, stop ici. Ça change rien, j'ai l'impression. Ils continuent à suivre l'ordre de déplacement. Bon, bref, passons. Donc là, ils envoient des renforts, les amis. Moi aussi, ça commence à arriver. Donc le tour des planètes. Là, je peux rien faire. Ici, tout est construit. Là, je peux construire encore. Ah, voilà. Donc, il y a les Structure plateformes de complete. défense Gauss qui sont là, les trois. Maintenant, je peux construire des chasseurs. Faut pas que j'oublie, sinon ça sert à rien d'avoir un hangar de défense. Bon. Allez, on va leur faire faire un petit tour déjà. Finally. Tant pis si les autres sont pas là, bon, ils arrivent maintenant. Au pire, je Yeah, me yeah. casse. Into the blue. Je peux construire un capital ship là, oui, pas oublié. On va vendre un peu l'excès. Enfin, l'excès en guillemets. Ah, ça saute. All hands, prepare for phase jump. Ok. Il y a juste une petite frégate qui traîne là. On va laisser la flotte faire le boulot. Je pense que mon capital ship est parti pour coloniser la planète. Donc ça veut dire que j'ai pu rechercher entre-temps. Structure complete. Voilà. Colonisation arctique, c'est fait. On va développer là. On va faire le commerce orbital. Voilà. Des extracteurs un peu meilleurs. Structure complete. Architecture modulaire. Ça améliore les extracteurs de métaux. Alors on va le faire. Ok, on va vendre un peu de métal. A new colony has been Ah bah founded. voilà, j'ai tout colonisé. Parfait. C'est ça que je vais devoir défendre à fond. Ça, c'est parti. La défense, l'infrastructure. Voilà, je vais y arriver. Bon, ça se passe pas trop mal. Là, ça a pas l'air de bouger. La difficulté est en normale. J'ai juste mis les ressources un peu plus accélérées. 2 contre 2. Des tacs. Là, il y a. Est-ce qu'on pourra aller emmerdouiller les Research complete. pirates? Puis il y a un autre système ici. Tout B. Pour aller dans un autre Allied système, forces are il being faut que je attacked. développe. Ouais, long range jump. Il manque juste.
Ah, il faut que j'ai 4 structures de recherche civiles. M'en manque 2. Parce que là, j'ai la capacité logistique de le faire. Il manque juste du fric, en fait. 750. Vendre un peu. Alors, voilà. Un, et puis il faut encore un deuxième. Voilà. Comme ça, on se prépare pour aller sur d'autres systèmes, gentiment. Ma flotte, elle est tranquille. Là, je vais balancer... Ah oui, mais j'ai les autres vaisseaux qui sont arrivés là. On va les fusionner avec la flotte dès qu'ils seront là-bas. Ah oui, ça c'est encore... On va faire aussi des bombardiers... Pour attaquer les structures ennemies, c'est plus efficace. Ok, là il bouge aussi des vaisseaux. Ce serait pas mal qu'il colonise la planète, là, l'ami. Ici j'avais quoi déjà? Ah, j'avais juste un extracteur de métal. Ah, j'ai abandonné un petit. Deploying. Ah, il s'appelle comment ces vaisseaux? C'est pour la colonisation. Voilà, les frégates Protef. Ils peuvent aussi construire des extracteurs. On va voir si là, il y a quelque chose à faire. Pas colonisable, mais peut-être qu'on peut mettre des extracteurs. On va voir ça tout de suite. Excusez-moi, je suis vraiment fatigué. Ça fait 7 jours que je bosse. Et on est en fin de journée. Et j'ai un tout petit peu de peine. J'espère que vous me comprenez. Qu'est-ce qu'ils emmerdent par là? Ah non, c'est juste un vaisseau de reconnaissance. Vous voyez, dès qu'il y a un vaisseau ennemi qui pénètre dans sur une de nos planètes, eh ben on est averti par ce clignotement. Research complete. Eux, ils vont sauter. Our allies planet is under siege. Ah bon? C'est laquelle? Tantalus. Ah ouais, putain. Hein. Bon, ils envoient les troupes, mais je vais peut-être me faire une deuxième flotte. Des Javelis, des Garda, des Shrinken. Ok, moi j'ai pas beaucoup de fric. Deux porte-avions. Puis on va les laisser se défendre. À la limite, comme ça, je pourrais peut-être déplacer ma flotte. Ouais, je préfère la laisser là. C'est plus sûr. Puis un capital ship, je pourrais en construire. Ouais, il manque beaucoup d'argent encore. Enfin, je pourrais me faire un autre call. Ou alors... Oui, le Marza, j'aime bien. Pour attaquer les planètes, il me faut 3000 quand même. Hein. I heard you have a fighter problem. Ah, j'ai envie d'aller faire un petit tour rapidos. Finally. Ici. Yeah, yeah. Faudrait peut-être que je construise des structures de défense. Hein. Complètement oublié. Il me faut de la caillasse. Research complete. Ah, de toute manière, j'ai les autres qui viennent d'arriver maintenant. Phase jump complete. Ah non, ils sont tous ensemble. Ah, mais je crois que j'ai oublié de les fusionner. Là, il n'y a rien qui se... Ah oui. Ouh. Capital ship ennemi. Bon, alors là, il va falloir se le faire. Ça devrait aller. On est en surnombre. Looking for something. Ok. Il saute. Allez, on va zoomer. C'est pas le truc le plus joli que vous ayez vu, mais bon, c'est sympa. Le capital ship qui va arriver, bam. Il est encore là. Là, il y a les petits chasseurs qui volent autour. Alors, où il en est là?
Il a les shields qui descendent bien. What now, Commander? Voilà, le Capital Ship qui arrive, le nôtre. Il est sauté juste dessus. Where do you need me? Il a déjà utilisé automatiquement ses capacités spéciales. Ah, les shields sont bientôt en bas, il a plus de shields. Structure complete. Il est en train de prendre au niveau de sa coque, gentiment. Research complete. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Non, je peux attaquer. Ok, là j'ai construit des hangars. Voilà, on a commandé 4 chasseurs. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Il essaye de s'enfuir, évidemment. Ouais, je sais pas si on va réussir à se le faire. Reporting in. Secure the passengers. Ils sont tous dessus. Ah ouais, ils sont tous derrière. Allez. Where do you need Vas-y, défonce-le. 2300, 2200. Le hull. Ah, dès qu'il va arriver là-bas, il va sauter le petit cochon. Il arrive gentiment au tiers. Il est en train de prendre. Je pense qu'ils auront le temps là. Là, j'ai les autres corvettes qui arrivent. What do you want? Dire que c'est une flotte entière, voilà. Yeah, yeah. Ce que j'avais pas encore fait en fait. Du tout, je crois. Il n'y avait pas le petit icône de flotte. Alors, il en est où notre ami? Il va bientôt crever. Non, il est au tiers là, maintenant. Ah, il se défend toujours. Ah, ma flotte, elle a quand What même. Ouais, ça va, elle a pris quand même, ouais. Ou peut-être non, il va se casser. Ah, il va se casser. Allez. Il se casse. Allez-y. Si ça, il se casse pas. Non, il se casse. I need some excitement. Donc il va sauter par là. How about some attack order? Il n'a pas le choix. Je le suis. Je sais pas ce que je vais trouver de l'autre côté. A friendly fleet has arrived. Là, c'est un capital ship de nos alliés, mais qui est bien endommagé. Je sais pas sur quoi je vais tomber ici. Pas grand chose. Enfin, je vois pas encore grand chose. Un petit peu plus vite, quelques secondes. Ah, il est là. Moving into attack position. Allez, finissez-le. Ouais. Cette fois, je pense pas qu'il aura le temps de s'échapper encore. Y'a personne qui vient emmerder là. Non, c'est leur planète. Ah, il se Putain! Planète alliée. Ouais. Ah, je vais pouvoir construire mon capital ship d'ailleurs. Je vais juste voir là, il va crever. Crève. Ah ah. Bon. Ouais, ça pète bien. Hein. Bon, allez, on se casse. Quoique, on pourrait juste leur bousiller leur port. Spatioport, juste histoire d'emmerder. On les laisse faire ça et puis on va ordonner à la capitale de faire un capital ship justement. Donc on disait un Marza. On va vendre un petit peu, histoire de se refaire la caillasse rapidos. Où est-ce que je peux construire des vaisseaux? J'ai fait que sur la capitale. Ce serait bien que j'en fasse un petit peu plus près en fait.
Voilà, Frigate Factory. Allez, une là. Mais ce qui va pas nous empêcher d'en demander quelques-unes encore. Allez, encore des porte-avions, j'aime bien ça. Javelis, Garda, Cobalt ou Weshrinken. Additional credits required. Ouais, là j'ai besoin de fric. Bon, alors qu'est-ce qu'ils font les autres? Pas les oublier. Non, c'est pas là, c'est là. Where do you need me? N'ont pas encore bousillé? Ah, c'est solide, hein. 4500. Toujours pas d'ennemis à l'horizon. Parfait. Ah, ça, je crois que c'est notre ami. Nouveau Capital Ship. Voilà, il est là. Capacité spéciale. Donc, il a une bombe à radiation. Ouais, sympa. Il peut raser une planète. Ça fait des gros dégâts sur la planète. Et puis, des munitions incendiaires ou encore un barrage de missiles qui n'est pas encore disponible. Moi, j'aime bien raser une planète. J'aimerais bien vous montrer ça. C'est assez sympa l'effet. On peut déjà créer une flotte. Voilà, c'est notre deuxième qu'on peut visualiser ici. Donc, 4 porte-avions, 2 Garda, 4 Javelis et 2 Shrinken. Ok, on en fera plus. D'ailleurs, on va dire de construire, on va faire moitié chasseur, moitié bombardier. Puis nos amis, là-bas, en train de se faire le... Voilà, c'est fait. Finally. Savez quoi, ouais, j'ai même pas besoin de les I soigner là, ils heard you sont have a bien. fighter Bon, on va les problem. laisser raser un petit peu toutes les structures ennemies. Pour l'instant, ça. Oh, pop. Ah non, c'est Our ally's juste planet is under siege. des explorateurs. Bon, on va renforcer. Ouais, les défenses. Ouais, on va mettre proche ici. Des extracteurs assez à A friendly fleet has l'extérieur. arrived. Voilà. Ah oui, j'allais oublier mon passage. Ah non, je peux rien construire ici. Ready for orders. Rien du tout. Bon, on va le ramener Yes, là. Commander. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça clignote? C'est une Arkova, on s'en fout. Allied forces are being attacked. C'est quoi Give the ça? order. A Trois friendly petites fleet has cobalt. arrived. Qui s'enfuit? Ok. Alors là, ils sont en train de détruire les extracteurs. Très bien. Et ensuite, je crois que j'ai envoyé mon capital ship pour coloniser cette planète-là. Alors, on accélère un peu le temps. Tac tac tac. Structure complete. Ok, on va vendre un peu histoire d'avoir la thune. Voilà. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Ouais, c'est efficace quand même, hein. Ça Allied suffit backup has les arrived. chasseurs pour quasiment éliminer une frégate. Et je crois que c'est bon d'ailleurs, non? Encore un petit passage. Non, elle est pétée. Bah voilà. Ils ne passeront pas par là. Qu'est-ce qui se passe ici? Ouais, il y a toujours les autres là. Ah bah tiens, j'ai mes porte-avions Who qui sont needs air restés dans le coin. support? Bon, ils se font agresser par mes chasseurs. Ça me va. Là, ça a pété. Là, ça sera bientôt fini. Ah, deux, trois petites corvettes là qui vont pas s'attaquer à ma flotte. Alors, ici, What do you want? bah moi je veux que t'ailles raser la planète là-bas. Structure complete. Allied backup has arrived. Allez, Allied forces are on being va se attacked. replier par là et coloniser la planète. Ah, mais non, mais ça c'est mes alliés, les oranges. Je suis bête. Ouais. All power to jump Ici, je peux drive. construire. Ah, faudrait que je développe un peu la recherche pour des.
les vaisseaux plus gros. Alors il faut que je développe là maintenant. Ce que j'aime bien, c'est le Kodiak. Il faut encore, ah oui, des centres de recherche militaire. Et ça, est-ce que je peux faire ça ici? J'ai la capacité de le faire, je pense que oui. Alors, 2 military labs. Hop, 1, 2. On va aussi développer le commerce. Du coup, là, j'ai vu que c'était possible. Alors, où est-ce que je peux construire? Là. Allez, on se lâche. Ah, ça, c'est une mauvaise nouvelle. Bon, ici, je pourrais plus rien faire, mais j'ai fait le spatioport. Enfin, il est en voie d'être fait. Ici, on a quitté. On va coloniser. Ah bon? Puis là, j'aimerais bien faire une usine de frégates aussi. Et puis, un peu plus de chasseurs. Voilà. Ça, c'est bon. Bon, ça se passe pas trop mal, je crois. On va coloniser vite le système. Ils ont toujours pas colonisé le système. Putain, ils manquent. Bon. Il y a des jeux, des fois. Ok, est-ce que je peux sélectionner mon capital ship pour... Qu'est-ce qui lui manque? Pas assez d'antimatière. Elle est déjà où, ma jauge? Ça coûte 90 et ma jauge, elle est à combien? À 36. Ouais, ça va prendre du temps encore. Bon, on va laisser la flotte dans ce système. Ici, on est relativement bien défendu. Alors, peut-être pas contre une flotte entière, mais bon. Je vais en profiter déjà pour commander des frégates en avance. Ah, voilà, mince, j'ai dépassé ma capacité de logistique militaire. Donc, on va en demander plus. Ok, ça c'est fait. Structure complete. Normalement, oui, j'ai mon autre flotte qui est en train de transiter par là pour aller raser la planète avec mon nouveau capital ship. Où est-ce qu'il est? Il est là, ouais. Time is short. Voilà. Bah, c'est la même classe que celui qu'on vient de buter, en fait. Bon, on va se repositionner. Bah, écoutez, voilà, je crois que c'est bon pour cet épisode. On avance gentiment. Je pense que je vais enfoncer le territoire ennemi par là, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Ça devrait pas être trop compliqué, normalement, là. Eh bien, écoutez, il me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente journée, soirée, etc. C'était DR436 sur Sins of a Solar Empire Rebellion. Allez, à très bientôt. Ciao.